Alors Air Liquide, effectivement, leader mondial des gaz dans l'industrie des services et la santé, est fortement impliqué aujourd'hui dans une solution de transport propre à travers des vecteurs d'énergie que nous développons à partir de trois molécules, l'hydrogène, le méthane et l'azote. Alors le groupe Air Liquide, effectivement, a cette particularité d'être présent sur l'entièreté de la filière, depuis l'amont où nous purifions donc du biogaz en biométhane et nous l'injectons dans le réseau. Et on le redistribue dans l'aval, dans le monde du transport, ce qui permet d'offrir une solution de mobilité propre en valorisant la garantie d'origine qui est attachée à ce biométhane. Ce biométhane, il faut effectivement le distribuer et le mettre à disposition du monde du transport. On le fait par le développement d'un réseau de stations en France, principalement, avec 24 stations qui vont être déployées dans les deux prochaines années. Dans ces stations de distribution, on y associe effectivement un troisième vecteur d'énergie qui est l'azote et qui nous permet, à travers la commercialisation d'un groupe cryogénique, de mettre à disposition du transport un système complètement non polluant, une chaîne du froid impeccable et surtout silencieuse pour rentrer dans les centres-villes.